Et ouais, mon gars. Il va le rendre l'antenne. Hein. 21h20. Normalement, début de match, c'était 22h, les amis. Let's go. Mais au moins, tu vois, en discutant, on est là. Ah là 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 là. En fait, ça va jouer aucun ADC dans la game là. Derrick, Xayah, Jinx, Kalista, ok. Oh là là, retour de Zig Syndra. Bah, Yasuo, 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 Syndra, bot. Ah mais Loki, Loki des ADC, ah, les gars, là, il y en aura plus, là, sinon. L'ADC, il y a plus rien, là. Ah bah putain. Ils ont vu que Bao est en forme, hein, parce que c'est vrai que sur les deux games qu'on perd, quand même, Bao fait une grosse presta, donc j'avoue... Eh hey, bannez-le tout aussi, hein, il a montré son Twitch, les gars. Coco, ça me fait trop penser à un truc qu'on avait fait sur Twitch. Ah, je suis content, je n'osais pas le dire depuis quelques temps. Coco, mais j'attendais que White ressurvive là, j'attendais que White ressurvive. Les bans, ça me fait trop penser à un truc qu'on avait fait sur Code. Un truc qu'on avait fait sur Code? En fait, quand sur Black Ops 3, il y avait le système de pique, il y avait les piques, enfin, on pouvait ban des armes, mais je sais pas quoi là. On avait ban toutes les assauts qu'on a joué contre Soigne et tout. Ah ouais? Attends, moi je me rappelle même plus de ça, frère. Ah ouais? Sur Black Ops 3, on s'est retrouvé qu'à jouer avec des armes de merde et ça avait marché. Je suis très content pour cette game parce que bah, je vous l'ai dit, là, j'attendais un peu plus d'agressivité de Gentlemate. Et c'est vrai que bah, ça passe aussi beaucoup par le jungler. Quant à Maokai et Sejuani, c'est un peu normal d'éviter les confrontations, de jouer les objectifs et attendre les vrais fights. Alors que là, avec une vaille, il va chercher les escarmouches. Et je voulais qu'on cherche des setups 2v2, 3v3 plus souvent, en étant gagnant sur le principe. Ah, Feios qui sera pique du coup. Du coup, il nous reste quoi, les gars? Il nous reste plus rien là. Je sais pas, mais il va falloir le prendre sur le last pick. Il y a des, parce que tu rajoutes deux bans là, il y aura plus grand chose. Qu'est-ce que. Arthelius Brome. Ok. Il y a quoi comme AD là? Comme ADC? Bah t'as Varus encore? Varus, ouais. T'as Varus. T'as. Attends. Oh, Kaisa. Kaisa. On a oublié Kaisa, on a oublié Varus. Et en fait, il y a trop d'ADC en fait. Très bien, Kaisa avec Vi, c'est très bien. Mais bon, il y a forcément Brome en phase, donc tu vas te dire les projectiles c'est relou. Mais quand même, en late game, ça va pas. Cafelio, ça a pas énormément de mobilité. Maokai, ça a pas énormément de mobilité. Brome aussi, ça, bon, ça a un dash, mais c'est pas non plus un truc que t'as envie de péter à tout va. Donc en fait, Kaisa pourrait free poke. Et dans tout cas, elle pourrait Kaisa comme Brome, c'est chiant. Des catchs. C'était ma première intervention, mais c'est pas à ce point-là. C'est pas vraiment ça, le pic est fini. Non, je regarde le chat en même temps. C'est pas à ce point-là. C'est pas déterminant au point de pas vouloir la jouer. Faut vraiment voir plus consistant. Il y a peu de mobilité sur l'aide. Imaginons, il y avait une Irelia top. Imaginons, il y avait une Arimide et tout. Effectivement, t'as un peu moins envie de jouer un quelqu'un avec des projectiles comme ça. Là, que j'ai beaucoup aimé la ref. Un bring shadow, please. Ban de Tristana qui peut être joué mid. Ban de Orianna, ok, pour éviter le combo avec Krell, pour le combo avec Vi aussi. C'est vrai que ça a rentré très très bien là pour la composition de Gentlemate. Je pense qu'on va reban un mid, hein. Ouais, Corki. Ça laisse encore du Azir disponible, ça laisse Wei disponible. Aucun midliner n'a été sélectionné dans cette draft. Victoire, une défaite, ouais, ils ont battu l'équipe anglaise contre qui on a perdu. Et nous, bah, on a perdu contre l'équipe anglaise et l'équipe allemande. Donc là, il ne reste plus que l'équipe polonaise, les gars. Si on perd ce match-là, ça va être compliqué pour demain. Ban de TF. Le voilà. Le ban de TF de Ragnar. On ne va pas ignorer. Je pense qu'on va aller sur Wei. Ça ban Sion. Ouais, Azir, au mid, il nous reste Azir, Wei. Talia, il était ban, ok. Il reste Orianna parce qu'on a Rell. Faut le prendre maintenant, hein, le mid. Hein. Dans tous les cas, faut la speak top. Ah non, Orianna était ban, pardon. Harry. Ok, j'aime bien. La première fois. J'aime bien. Ouais. Let's go, ça va bouger là. Ça va bouger parce qu'avec Vi on va chercher des escarmouches, avec Harry on va chercher des escarmouches et du mid game. Avec Kaisa on peut follow up une Harry, on peut follow up une Vi. Alors effectivement c'est pas une composition qui va être extraordinaire en pur 5v5. Mais si avant on arrive à créer l'avantage et qu'on arrive à avoir un stuff supplémentaire, on pourra même aller chercher les teamfights derrière. Parce qu'en face en teamfight ça va être costaud, hein, avec ce Swain qui vient en plus de ça gérer Harry en lane. C'est très fort et en même temps, qui va donner beaucoup plus de consistance dans les fights, de la tankiness. C'est un très bon pick, pour être très honnête, du côté des Polonais. Il y a un Jax pour venir compléter. Alors, un Jax qui peut se faire counter par toute la terre, là. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Reiner? C'est vrai que le KCNT, ça fait deux fois qu'il le bouffe dans la tronche. Il peut être tenté de guérir le mal par le mal et de le sélectionner à son tour. Il y a aussi d'autres options. Hein. Contre Jax, tu peux reprendre Renekton. Il y a énormément de choses possibles contre Jax, honnêtement. Là, tout s'offre à Ragnar. Il faut un pic de confiance qui puisse vraiment scale quand même parce que bah, on a besoin de durer. On va prendre de Gragas, qui est un très très bon match-up contre Jax. Parce qu'il, bah, il profite pas tant que ça d'auto-attaque.
Gragas, donc c'est pas un problème. Et du coup, c'est lui qui gère les tempos des fights et il sort de la reine dès que c'est nécessaire. Très très bonne draft pour moi, gentlemen. C'est ce que j'attendais depuis vraiment le début là. Un truc qui va taper dans les 15-20 premières minutes. Là, c'est à nous, pour une fois, je te le dis, c'est à nous d'aller fracasser ce Maokai, de pas laisser ce Swain grandir, de pas laisser le Aphelios Broom exister et ce Jax aussi qui a besoin de scale. Let's go White, let's go Eka. La game est à vous, messieurs. Ah, j'aime bien. Oh, j'aime bien. Putain, j'aime bien. On va pas se faire chier. C'est pas la game, on va se faire chier 15 minutes. C'est impossible. Bah ouais, là, on va devoir être un peu plus agressif avec ce duo Vaillari. En face à scale, hein. En face à scale énervé. Hein. Attention au scaling. Comment on est le match-up Harry contre Swain? Swain a un très très bon. Répond très bien à Harry. Après, la force d'Harry, c'est pas sur sa lane, c'est les prios qu'elle peut avoir et la capacité à décaler, de suivre une vague qui peut aller très loin. Enfin, je te dis une bêtise, imagine, on va aller chercher Maokai à son red buff. Je peux t'assurer que Harry aura le temps de tuer Maokai avant même que Swain n'apparaisse. Tellement bah, l'ulti d'Harry va loin. Pardon, l'ulti de Vi, puis celui d'Harry, ça va très loin. Donc en fait, c'est ça qu'on doit faire. C'est pas vraiment le combat pur comme des. Voilà. C'est vraiment jouer avec le terrain, écarter les uns des autres parce qu'on va aller plus vite sur une cible avec Keisa qui peut couper. Tu vois, c'est vraiment des. On en revient au basketball où c'est des petits setups à créer ensemble, quoi. 2-3, des escarmouches. Pas aller chercher les 5v5 trop vite, les 4v4 trop vite, s'il vous plaît. Tombez pas dans les pièges des dragons trop vite. Des escarmouches, faites durer les lanes, faites durer les lanes. Étalons-nous sur la map, observons. Dès qu'il y a un mauvais positionnement de jungler, on va à l'opposé, on est à 4. Vaillari, on die, boum. Aphelios, il bougera pas. Ouais. On est d'accord pour avoir une chance qualifiée. Il faut gagner tous les matchs maintenant. Pas forcément tous les matchs, mais forcément, plus tu gagnes de matchs là à partir de maintenant, plus tu as de chances de te qualifier. En gros, dans le pire des cas, tu peux te qualifier en. En 2-4, tu peux passer minimum 3-3 pour être en taille avec tout le monde, je pense. Je pense que tu dois être en 3-3 minimum pour te qualifier, pour être au moins en tie-break avec deux autres équipes. Et en vrai, de comment ça a été fait. Il y a peut-être un monde où c'est possible, parce que là actuellement il y a l'équipe allemande qui est en train de s'envoler, ok. Mais sinon, toutes les autres, là actuellement on affronte une équipe qui est en 1-1, nous on est en 0-2, et l'équipe qui nous a battu en début de journée, elle vient de passer en 1-2. Donc en gros, si on gagne ce match, on serait 3 équipes en 1-2. Voilà. Et la condition de victoire, c'est d'avoir de l'avance, ne surtout pas être even à 20 minutes. Donc en gros les gars, on gagne ce match, on est deuxième ex aequo avec deux autres équipes. C'est ça, donc en fait la qualification est totalement envisageable. Exactement. Donc il y aura tout... En fait tout est remis à zéro entre guillemets, si ce n'est qu'il restera qu'une seule place pour 3 teams. Mais ouais. on l'a compris, on reste focus parce que là, je vous le dis, les 15 premières minutes des gentlemen sont extrêmement importantes et c'est en face que ça commence déjà à créer quelque chose d'assez surprenant avec une veille très intéressante. Bao ne l'a pas du tout vu. Oh putain. Ouais, là, on est en train de... Ah, il l'a pas vu, mais il le sent. Il le ressent quand même plutôt bien. Le pire, ouais. D'éviter le pire, il a bien été rigoureux là sur sa tenue. Bien collé au mur. Allez, 15-20 minutes pour trouver des petites choses, puis ensuite laisser Harry exploser, parce qu'après, ils auront de quoi nous réceptionner. Je vous le dis, Jax ça scale, Swain ça scale, Maokai c'est grandiose, Aphelios ça va nous attendre les bras ouverts accompagné de son Brome. Bah, tu voulais une compo toi un peu plus agressive qui scale exactement. Moins. Bah écoute. Parce qu'on a le caractère pour aller la jouer. Donc maintenant je veux un Watt qui n'hésite pas, qui leur rentre dedans. Parce qu'il a là les capacités, il n'est pas bloqué par son champion. À lui de trouver les bonnes occasions et les bonnes opportunités. Vous savez, tu vois, Swain c'est pas non plus un personnage qui a énormément de mobilité. Donc on peut quand même aller l'embêter, lui faire claquer un flash. Pareil pour un Jax. Donc il a des ouvertures, hein. Il a des ouvertures sur ce terrain. Moi j'aimerais bien que les mecs arrêtent de partir à 5 HP. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ça, mais après souvent quand on a ce cas de figure où ils partent à 5 HP, c'est souvent déjà parce qu'on a une compo qui scale et donc on en manque de dégâts et on est derrière. Ouais, donc vrai. Si on n'était pas derrière en fait, si t'as genre un composant en plus, un item en plus. Ça dépend des compos, t'as des compos qui sont bien pour fight sur la durée et même pour fight vers l'avant. Tu vois une Harry, elle a des resets, donc en fait le mec a un HP, il va se prendre un dash de plus, il va mourir. Ouais, c'est ça. Donc ça n'arrivera moins dans ce scénario là parce qu'on a une compo qui finit mieux, tu vois, elle finit mieux la cible. Par contre elle est moins AOE. On est très mono-cible, beaucoup de CC, mono-cible, beaucoup de CC, mono-cible. En face, s'ils ont du stuff, ça va, on va brûler. Et attention, hein, Maokai qui va très très vite au bot. Maokai qui va très très vite au bot. Allez les gars, pas naïf. Ah bon, on l'attendait pas là, on avait wardé le bush. On l'attendait pas venir par la river, il y a Vi qui va arriver, mais est-ce qu'elle arrivera à temps hein. Attends, c'est vraiment bien ce qu'il. Ouais, mais ils c'est se sont bien. Pas compris, hein. Ils se du sont coup, pas ça compris. Laisse le temps à White d'arriver et au moins de répondre. Et honnêtement, waouh, on s'en sort super bien. Ils se sont vraiment pas compris en fait.
Bah, Maokai voulait aller sur Bao. Bao et les autres se sont partagés. Bah, c'est Camillus qui a bien joué. Camillus en fait. Camillus a trop bien joué, ouais. Camillus a bien joué parce qu'en fait, il a split, il est directement parti vers l'avant, vers leur tour. Ou justement en mode bon les gars, soit vous me choisissez, soit vous mettez tout sur Bao, mais vous pourrez pas avoir les deux. Et au final, ils auraient dû focus directement Camillus. Bah, ok, il a fait une erreur d'aller sur Bao. Même s'il a fait péter une cleanse, mais bon. Il a fait péter la cleanse. Un flash. Nous on a pas flash sur Bao. Si, Camillus. Oui, non, mais la cleanse de Bao, c'est parce que Maokai il a focus. Oui, bien sûr. Donc, il a gagné une cleanse, mais ils ont pas tué Camillus. Je sais pas si ça les vaut, tu vois. Je pense que ça les vaut j'aurais pris le kill sur Camillus tous les jours. Vu le early gank, on s'en sort super bien. On l'attendait pas là, clairement, on avait wardé le bush du bot, mais pas du tout la river. En plus, la wave est freeze, entre guillemets, elle est très bien placée pour nous. Il est force à rester. Après, on a toujours le flash. Attention, quand on a utilisé notre spell un peu. Ouais. Allez, Camus, il a plus rien, on est tombé dans le piège. On pensait qu'ils avaient back, ils avaient pas back, ils étaient justement en train de tease dans ce bush, mais après, il y a une. Avec vie peut-être, non, on va pas le tenter. Ouais, elle est là. Risqué, il perdrait trop son timing, Bao, je pense. Bon, parce qu'il doit juste prendre cette wave et back. Putain, j'avoue, ils ont été patients dans le bush, les deux là. En fait, c'est une strat à risk à reward, parce qu'en fait, si jamais on vient pas et on tombe pas dans leur piège, ils perdent beaucoup de temps. C'est-à-dire que bah nous, Camillus aurait pu back, revenir avec justement des items en plus, de la vision. Bah, le truc, c'est qu'on est sûr pour nous qu'ils ont back, parce que sinon on aurait dit à White d'être là pour 3v2. Parce que si White il est pas là, c'est qu'on est sûr qu'ils ont pas là. Ouais. Non, bah, c'est bon, ils ont back, viens pas, tu vois, fais ton camp. Alors que White faisait son groupe, parce que normalement, White est là et ensuite il fait le groupe. C'est-à-dire que là, on prenait doublé et groupe. Non, mais même quand Bao met son spell, quand il met son dash avec ASA, c'est qu'il pense vraiment pas qu'ils sont là quoi. Ouais, c'est pas genre un bait parce qu'il y a pas White. Ouais, là il voulait simplement justement push la wave back et revenir avec des items ici. Ah, ils ont été malins. Bah, après, moi je me dis, tu sais quoi, c'est le kill qu'il devait avoir sur le gang au début. Allez, on relativise comme ça. C'est bon, on leur donne juste le kill, leur gang à fourrer, on vous le donne quand même, vous le méritiez les gars. Allez. C'est vrai qu'ils ont eu rien de plus, on n'a pas perdu de farm ni quoi que ce soit. Donc ça se limite à ce petit kill. Je rappelle que nous notre compo elle va monter en puissance là avec les niveaux 6. Donc on est bien là, on est bien pour les 10 prochaines minutes de jeu. On récupère d'ailleurs les larves, ça va être à nous là de s'imposer un peu sur le terrain. Ouais, attention parce que là justement il essaie de choper cette prio mid pour justement aller faire le Drake. Et ouais, le Drake il commence à être fait. Bon, on va concéder. Top, tu vois, on peut potentiellement soit dive top, soit aller défendre le Drake. Il y a deux possibilités. Gragas a préparé le terrain, il a plus trop de mana, c'est vrai Ragnar, mais il a bien préparé le terrain. Ah, je sais pas, et attention parce qu'il y a une ping qui est placée vraiment très deep hein, dans notre jungle. Hein. Et je pense que de base, ouais. Cette ward peut être très très chiante pour nous. Un peu plus tard, ouais. Ça peut être vite, Swain. Oh ouais, je sors et c'est réglé. Ah attends, potentiellement, c'est vrai qu'on va aller contest. Non, on préfère laisser Harry qui va retourner sur sa lane, White qui va continuer de farm. Par contre, à faire attention, faut pas. Justement, on a une compo pour être un peu plus agressif early game, mid game. Faut pas leur concéder. C'était pas encore le moment, mais oui, on aurait pu avoir un petit. Tu vois, si White était là au 3v3 bot, on le gagne. Si White pouvait venir au moment où il nous bait dans le bush, on gagne. Tu vois, donc il y a cette opportunité. Mais c'est pas grave de pas les avoir saisis parce que ça va être là avec le niveau 6 de Vi et la Harry maintenant qui va être un peu plus libre que ça va payer. Mais c'est vraiment maintenant, quoi, les gars. En 10 minutes, il sera trop tard pour tenter quoi que ce soit. Donc, soyons malins sur les niveaux 6 de White. Et voilà, un 3v3 bot, là, moi je prends. Les TP des top laners sont pas disponibles, les TP des mid laners sont pas disponibles. On n'a pas vu Maokai, hein, je crois. Maokai n'est pas soyons vu. Soyons pas naïfs. Ouais, mais il White sait qu'il est vu, donc il va pas non plus se jeter dedans. Tranquille, ça vient s'annuler. Mais tu vois, quand des moves s'annulent comme ça par la présence des deux junglers, c'est plus à l'avantage des Polonais que nous. Parce que nous, on aurait plus intérêt à ce que ça s'envenime, tu vois. Donc tu vois, lui, il est juste là en sécu, hop, il a fait son taf le Maokai. Harry qui va rester, qui va pas back. C'est bien de prendre le raid. Le raid, ça c'est bien. Ah ouais, c'est pour ça, Harry, elle a cancel son back justement pour être là en soutien justement pour la vague. Rappelle mon histoire dans la draft, c'était imagine Maokai sur son raid, ulti-vague. Tu vois, c'est pas anodin, c'est une zone de danger pour Maokai ici. Des setups assez connus sur de la mobilité d'un jungler. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va le concerner, il va le laisser. Ouais. Bah, ils font pas d'erreur, tu vois, là, les Polonais. L'erreur aurait été de vouloir défendre ce raid à tout prix et de donner un kill à notre Harry, tu vois. Donc très malin de leur part, encore une fois. On l'a pris très mal la nôtre aussi. Et on n'a pas eu plus. Là, je vous dis, c'est des bonnes games qu'on a, hein, encore une fois. Des trucs que les gens peut-être ne perçoivent pas, mais moi, ça me fait tout de suite comprendre qu'on a des games où les mecs savent jouer Macron, quoi, déjà.
Ouais, y'a rien à dire. C'est à nous de les forcer à faire des erreurs. Un peu, on doit les faire bouger, quoi. On a ce qu'il faut pour les faire bouger, et dès qu'il y a une erreur de positionnement ou qu'on estime qu'on a l'avantage, bah d'enclencher, parce qu'on a le choix soit d'enclencher, soit de pas enclencher. Le problème, c'est que dans 10 minutes, on aura moins le choix de d'enclencher, parce que si on enclenche, ils vont avoir de quoi répondre. Là, pour l'instant, ils vont devoir penser à plutôt survivre de leur côté. Tu vois, le Jax, il souffre aussi, hein. C'est des ouvertures, on peut venir faire péter un flash à tout moment, pour avoir l'occasion aussi de jouer topside. Mais Ragnar, tu vois, il maîtrise son match-up, sans souci. En profiter. Il sera trop tard. Mock, d'ailleurs, qui va venir donner un peu de souffle. Avec cette big wave, normal. Dans tous les cas, Vayne n'était pas là, donc Ragnar va pas se jeter. Attention, Ragnar va pas juste donner le kill. Normalement, la survivabilité de Gragas dans ce match-up est énormissime. Y'a pas de soucis. Ouais, en plus, on voit le jungler derrière. Y avait Swain qui avait commencé à décaler. C'est bon, tu vois, le Jax, il souffle, tu vois. Il veut juste le faire reculer. Là, lâche-moi un peu, laisse-moi respirer. Il a pas d'air, le Jax, hein. Il a pas d'air. Il peut être diveable. Pas d'air, le problème, c'est que la vibe va être vue. Il faut prendre des plaques. Il faut prendre quelque chose, dans tous les cas, sur le top side par rapport à l'avantage que Ragnar de prendre. Je pensais que le Maokai est vers là. Qu'est-ce qu'on va faire au top, là? Du coup, là, il y a. Trade qui se fait, je pense pas qu'on arrivera à choper on des. Juste à Swain, pour l'instant. Le clé sur le monde. Attention à ce Swain. Qui est bon, après, attention, hein, parce que le Jax n'a plus d'ulti sous tour. Le problème, c'est que ça reste un Jax. Hein. Il a son spell pour tempo. Compliqué à dive. Ah, peut-être. Attention. Bien, ça fait cancel Jax, c'est bien, ça fait cancel Jax. Ça nous fera gagner des secondes. Dans tous les cas, ça peut être des plaques qui sont converties pour les gentlemates là-dessus. Attention, parce que du coup, il y a un 2v2 qui est en train d'être fait au bot. Caminus qui a toujours pas son 6, attention. Ça va être compliqué, Bao qui prend très cher et en même temps ça engage. Aïe 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 aïe. C'est-à-dire que la Swain il picote hein, à ce moment-là de la game. Hein, ouais. Swain, faut respect. Ouais, il voulait peut-être les larves un peu trop tôt. En fait, il voulait absolument bénéficier de ce qui s'est passé top. On trouvait qu'on en avait pas assez gagné les choses. On a peut-être été un peu gourmand. Je te dis, le Swain, attention, il commençait déjà à tourner dans cette zone-là alors qu'Arrive venait de son back. Il fallait juste attendre que AK se remette en lane. Il repush une wave et en fait avec Malignance disponible, il aurait été tellement disponible qu'on aurait pu faire les larves dans un second temps. Là ouais, ouais non, ouais, c'est pas les... Son suspense n'a pas de sens là. Hein. Désolé mais... Il avait préchargé, je sais pas. Après du coup t'as encore moins de choses pour s'en sortir. Bon, il récupérera les larves quand même dans un second temps. Petite erreur quand même mais voilà. Il n'y aura pas d'incident sur cet objectif-là en soi. On retarde un peu après pour la rotation de dragon. Mais Ragnar nous permet toujours d'avoir cet espace avec Mano. Ouais, mais... il met une grosse pression au top. Voilà, c'est ça qu'on veut. Le match-up est vraiment free. Hein. Ouais, pas les dev au top, là. Bah, mec, depuis la minute 2, il peut, mais après, c'est... c'est un Jax, quoi. Il te stun sous tour, c'est... Oh, tu spell R, c'est bon. Juste bien l'aggro de la tour. Oh, putain. Je sais pas ce qui se passe. Oh, oh, oh. Le Q-spell R, c'est ça que tu me disais? Bon. Bah, on sait qu'on a 10 minutes pour créer du jeu, donc on... On essaye de le faire à tout prix, et quand ça se passe mal, putain. C'est deux fois plus... douloureux. Parce que du coup, les opportunités qu'on n'aura plus, et en même temps... C'est leur regroupement qui se rapproche. Je comprends l'impatience de, entre guillemets, de White, parce que c'est le moment où il faut faire un truc, peut-être mieux se coordonner les gars, peut-être mieux se parler. Non, mais là, prendre le double stun, ça a aucun sens. Et là, du coup, le bidon bat en panique, avec ça n'a aucun sens. Là, l'exécution, désolé, mais... Entre les deux, hein, c'est juste la coordination entre les deux, elle a aucun sens. Pourtant, il y avait 4 petites secondes pour se mettre d'accord, hein. C'est pas arrivé d'un coup. Soit c'est peut-être que le Dragas n'est pas dispo, autant le call fait juste un aller-retour, il fait un clic à l'arrière, un clic à l'avant pour laisser une seconde de plus. Ouais, bon. Ouais, début de game compliqué les gars. Allez, on a encore des opportunités, on est encore nous dans un temps fort, c'est juste que là bah ils auront un peu plus de répondants que prévu. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, il faut pas qu'on soit even à 20 minutes, et pour l'instant on est même légèrement retard à 12. Non, ça passe pas comme prévu, bisous. Ça passe pas touché, malheureusement. On disengage. Tarel qui va se faire choper, après elle a un ulti. Si les bisous touchent pas, faut disengage, les gars. C'est normal, si nos CC ne s'enchaînent pas sur la même cible en mono cible, faut disengage. En fait, notre but c'est d'exécuter très très vite une personne avant même que le fight réellement s'engage.
Ça, on vient malheureusement offrir Camillus en. Vous êtes pas full aujourd'hui, ouais. Pour l'instant, on produit pas des bonnes choses. Et là, je trouve que c'est pas une combe diff, hein. Vraiment pas. Même si, effectivement, il y a du répondant en face, on le savait, mais ça nous laissait Bao, tout qui ouvert sur la game. Allez, Bao. Oh là là, Bao potentiellement qui va nous remettre dedans. Et c'est cool parce que derrière, grâce à Bao, on peut prendre le Drake. Hein, et justement, le Drake qui va être pris par la Harry. Est-ce qu'on peut continuer derrière? Non, on n'aura pas de spell pour la vaille. C'est censé être notre moment de jeu, les gars. Allez, il y a moins de prendre plus. Il y a moins de prendre plus, c'est bien. Il y a un flash. Ok, on prend au moins des camps, peut-être sur Red Buff. Ok, allez, les gars, on va prendre quand même la first Red parce que oui, c'est vrai que le Jax là il a fait un très bon play en 1v2, mais depuis tout à l'heure quand même il se fait un peu bolos par Ragnar. En même temps, bon, le match-up Jax contre Gragas c'est un peu compliqué, mais du coup Ragnar qui va aller prendre cette tour en 14 minutes, bien, ça aussi. Qui va donner de l'économie à tout le monde. Bao justement qui nous fait respirer, qui va prendre son 1v1 contre la DC en face. Grâce à Kaisa, du coup son ulti qui lui permet d'être en range s'il touche bien. Ça a surpris un peu le Aphelios, on a flash shot son ulti je crois. Aphelios, je connais pas ouais, bien ouais. Aphelios. Ouais. Pour, Et du coup c'était super bien joué, derrière on prend le Drake. Ouais, clairement là, 30 secondes là qui sont passées qui nous remettent totalement dedans les gars. Hein. Clairement, ça nous fait oublier un peu les bavures et surtout ouais. On repasse devant et maintenant faut accroître cet avantage parce qu'on a encore le temps, rappelez-vous, hein, jusqu'à aller 20-25 minutes, on a encore le temps d'aller vous chercher ces 3, 4K, 5K gold d'avance. Allez, ça qu'on cherche à avoir. Là c'est pas encore suffisant pour être significatif parce qu'après les compos vont se rééquilibrer naturellement. Donc c'est à nous d'aller chercher un peu plus de ressources. Et peut-être maintenant avec cette bonne décale des gentlemen, même s'il n'y aura pas Harry, il y a Gragas dans l'équation, Camillus qui peut se faire attraper. Heureusement la mobilité, on ressort de cette zone dangereuse. Je pense que jouer son Harry est pas une bonne chose. Donc toujours attendre le repositionnement d'Harry dans le groupe pour essayer de catch. Après là la Harry elle est en side là sans TP. Ouais, mais tu vas voir qu'elle va regrouper. Ouais. Parce qu'en fait, on veut juste cet objectif-là, donc c'est ça vraiment le cœur de notre compo là. Capacité de catch d'Harry. On va faire l'Hérald derrière. On va aller jouer cette Hérald là. Est-ce que du coup, là, on se regroupe au mid, on essaie de le jouer directement ou... L'idée, c'est de prendre la tour mid le plus vite possible. C'est ça un peu la prio pour nous, d'ouvrir le jeu. Parce qu'en fait, si tu ouvres la tour mid, tu ouvres la jungle. Et avec Harry, Vi, encore une fois, Kaisa, c'est notre stratégie d'aller les chercher quand ils sont pas regroupés ensemble. Donc tu vois, quand ils sont un peu comme ça là, comme tu le vois actuellement, un Maok, comme s'il y a un truc. Bah quand t'as toute la jungle ouverte, c'est plus facile d'aller tenter quelque chose. De la vision aussi supplémentaire. Là, ça en enlève à l'adversaire. Et en tous les cas, Ragnar, lui, continue, peu importe où il est, à se régaler, ouais, à faire... Malgré move au top, il arrive à avoir 2k... Ouais, 2k de plus sur son... Hein. Il a masterclass, oui. Ah, c'est juste dommage hein, que sur le Tower Dive il soit pas compris parce qu'il aurait pu vraiment. Ouais, il aurait pu s'envoler. Ouais, il aurait pu s'envoler. Hein. Il aurait pu s'envoler. Et faire attention parce qu'un Jax actuellement là c'est pas tant que ça dangereux, mais plus tard ça le sera. Allez, gars. Allez, on a la compo qu'on voulait pour être nous initiateurs enfin. Pour être nous créateurs de jeu. On voit que c'est Camillus qui est en train d'essayer de trap avec White, c'est ce qu'on voulait. Commencer à se placer pour représenter un danger. Le Jax un peu à l'écart, Maokai pas trop loin non plus. Donc attention, c'est un 4v4. C'est pas les scénarios qu'on veut, mais c'est un scénario où voilà, ils sont pas encore réellement 4v4. Le Swan qui est out of pause. On le voit nous très bien, hein, mais gentlemen, t'es obligé de faire un peu attention. Qu'est-ce qui se cache derrière ce Swan tout seul? Ils ne le savent pas. Mais ce genre de moment pour nous là, ça peut être tellement clutch si on a un feeling d'aller chercher Il y aura peut-être un fight là qui va. Non, on va désengager le bleu. On étire, et dès qu'il s'étire, on regroupe pour être en avance. C'est vraiment ça, nous, notre stratégie. Et j'aime bien la rigueur des gentlemen. Tout de suite, ils sont regroupés à 5. Ok, Gragas bot, Harry top. C'est bon, ils se réétirent, on se regroupe. Tac, tu vois. Et le seul moment où on peut pas faire ça, c'est quand il y a un dragon ou un Ashor qui nous force tous à être à un endroit clé. Alors que le reste du temps, on a le choix de faire ça à l'infini, quoi. C'est l'éventail, tu vois. À l'infini, il n'y a aucune raison de ne pas faire cette stratégie parce qu'on va toujours plus vite sur les sides qu'eux et on revient toujours plus vite regrouper qu'eux. Et s'il y a une erreur de positionnement entre les deux, c'est nous qui en profiterons et pas eux. Donc c'est aussi simple que ça. Le seul moment où ça ne marche pas, c'est quand les dragons et les Nashor sont spot. Et dans 45 secondes, il y aura le dragon infernal qu'on va pouvoir nous jouer. Techniquement, il est encore à nous. On est dans notre phase de jeu, 17ème minute. Nos core items commencent à arriver. On a toujours cette capacité de catch. Jouer le surnombre toujours, mais attendre la Harry, ça c'est important.
très peur du premier 5v5. Je me chie dessus du premier 5v5. Ah ouais? Ah ouais. Ça peut tellement tout changer la game. Si... En fait, nous, on n'a pas le droit de le perdre, quoi. C'est ça le truc. Eux, ils peuvent se permettre de le perdre, mais nous, on n'a pas le droit de le perdre. Ok, on va mettre les rales de mid justement. Essayer de prendre cette tour au mid. Pour l'instant, il y a Jack sur un side. Swain qui est en train de back. Il a sa TP. Ouais, donc il va sûrement arriver au mid exactement. Il va avoir un fight là. Ah ouais, mais... ouais, et un bon bisou mis sur Maokai. Maokai il tank pas encore. Hein. Bah voilà, Maokai il tank pas encore. Il va réussir à s'en pas partir sur un HP. Ouais, mais ils sont plus réellement capables de faire leur 5v5. Ouais, ouais, on va pouvoir faire le Drake. Hein, on va pouvoir faire le Drake. Dommage, on n'aura pas cette tour, mais il ne restera plus que deux auto-attaques à mettre. Pour la faire tomber. Pas 5v5 réel, donc c'est bon, et au moins, sans Maokai, ils vont pas pouvoir contester. C'est ça, étirer l'éventail. Et t'as vu le mono CC, une personne, même si on le tue pas, c'est pas grave, ils peuvent plus réellement 5v5. Ah ouais. En plus, là, le Jax était pas là, donc ils ont pas réellement pu répondre. Attends, ils veulent tuer. Non, des objectifs. Ouais, on a l'objectif, mais en même temps, si on peut le tuer potentiellement. Un Swain, attention, il a quand même son flash. Un flash suffirait. Un flash serait pas mal. Ok, bien utiliser son flash, on veut y aller, hein, on veut tout le mettre, hein. On a les on va réussir à choper le shutdown, hein. Shutdown, on va enchaîner sur le Maokai. Il a plus de flash, c'est un mec mort ça. Attention parce qu'Eka a pris quand même des gros dégâts. Attends, on les étire, l'éventail. Ok, super. Il y a le Jax qui est là, mais Ragnar aussi qui TP. Mais je vois cette compo tous les jours. Ça, c'est le LOL que j'aime. Ils se font out macro, clairement, ils se font étirer. C'est vraiment ça, étirer. Tu vois, les gars, il a fait le spawn, on l'arrache. Il arrive en retard, mais il s'est passé quoi, Alexis, les gars? Oh, bah t'es mort, toi. Il y a une noire. Tu casses les couilles. Toujours, il est comme ça, c'est une RP, le mec. Oh putain, ça a l'air d'être dangereux, par exemple. Hey, il y a un cri pour moi, laisse le canon, frère. Voilà, tu vois, c'est exactement ce qui se passe dans sa tête. Attention, Agra, gars, Ragnar, ne pas se faire catch maintenant, ne pas laisser d'opportunités. C'est bon, il va rester à se casser. Mais écoute, on aura fait une très bonne phase là. On aura fait une très bonne phase. J'ai bien aimé. Merci, mes champions. Et tu vois le bisou là au mid, hein, qui au final a pas mal de conséquences, parce que du coup c'est un 4 sur Maokai qui nous donne le Drake automatiquement et qui derrière nous donne ce Maokai quelques minutes plus tard. On aurait pu même prendre plus, je pense. Ah non, quoique dans le brome il a flash. On prend un flash. Il n'y a plus trop de flash en face. C'est bien la team. Nous on a nos flashs de up, on est bien. Oh, on est bien là. On est bien. Alors. Rappelle-vous, j'avais dit 5k gold d'avance à 25, on est à 3k à 20, on a repris la tempo de la draft qu'on voulait, mais il va falloir retrouver une nouvelle belle opportunité. Et là, on pourra dire qu'on est bien. Moi, pour moi, on est normal. Ok, attends, on va mettre des bons dégâts. De attention, le Brom qui met quand même de gros dégâts, il va y avoir un combo combo de duel, attention, parce que Bao, il va être en top of fight. Non, mais Bao, c'est super bien joué du coup. Comment on se bat de la TP? Super bon, voilà, Bao. Super bon, Bao. Attention à ce soin quand même. Attention à ce soin. Ouais, oh, c'est trop bien joué. Baron, non, mais Baron, les gars. Baron, tout de suite. Là, on est bien. Ah, non, mais vous rendez pas compte. Je sais pas si je suis trop un fanboy, mais genre, j'étais en mode oh merde. Bao, on va le perdre parce que par rapport à la TP, il va être tout off position. Il se replace avec un petit Z, un petit R dedans, et hop, on est heureux avec la team. Pourquoi on joue pas que des compos comme ça? Pourquoi je vais des scaling? Je vais me faire un coussin avec la tête de Bao. Et bien sûr, j'ai déjà un poster moi dans ma tête. Je te jure, parce que regardez quand il y a TP là, je me dis oh Bao putain, il va devoir faire un tour pas possible pour aider. Ça, le Z, boom, hop. Et là, Jax est tellement loin de Kaisa. Jax, il est en mode la team, je peux faire que Camillus, les gars, je peux pas plus. Et ça marche bien avec Harry et Vi parce qu'elle peut se repositionner sur l'opposé du fight. Là on est royal par rapport à la draft. Ragnar est trop fort sur Garias, bah là il joue très très bien. Non mais Ragnar, je te rajoute deuxième puissance bien. Si tu veux. Ouais, les gars. Là la compo est lancée, y'a plus rien qui nous fait peur, on peut prendre tous les fights du monde, même les 5v5 maintenant on veut les prendre, mais il faut juste que. Attention à White. Ragnar c'est vraiment le top laner que je rêve d'être. Je comprends. Gros pool de champion. Allez, c'est peut-être un bon 5v5, mais Gragas, c'est un. Ah, on est wardé, donc s'il s'avance là, c'est que. Ah, Regarde le flanc d'Harry. Mais on peut se permettre de perdre quelqu'un, si on tue tout le monde derrière, c'est worth, hein. Ouais, justement, on go in, et Kak qui va choper un premier kill, un deuxième kill. Normalement, il va pas s'en sortir. Et Harry qui a deux dash, hein. Après, est-ce qu'elle a assez pour aller chercher un Jax potentiellement? Ah non, on voit pas Jax. Ah, mais elle va y aller, je pense, elle a encore deux dash. Ah, pour moi, on va deny le back, on va prendre les deux tours. Voilà! On peut se permettre de perdre quelqu'un si on récupère tout derrière. Y'a aucun problème. On a nos cagoles d'avance qu'on devait avoir, donc du coup, la compo là, elle est simple à jouer. Hop, on va prendre l'inhib, on va décaler au bot.
prendre. Je sais pas si on arrivera à prendre l'inhib du bot aussi. Peut-être pas là, parce que là tout le monde va respawn, mais au moins prendre la tour. On ne joue pas tous des compos comme ça avec le skip qu'on a. Je m'étais promis de plus jamais tomber amoureux. Casser les couilles. Vraiment le LOL que j'aime, le LOL que c'est toi qui as les cartes en main et l'adversaire doit juste espérer que tu gères mal ton plan de jeu. C'est vraiment le LOL que j'aime. Après, faut toucher les spells, hein. Faut toucher les skill shots. Quand même, parce que là, ils veulent profiter, mais ça suffira pas. On va beaucoup trop vite. On va purge cleanse. Directement. Bon, par contre, le Drake, on va potentiellement leur concéder. Est-ce qu'on aura le temps de reback à temps? Vic, il va essayer de prendre justement la vision, mais ça va être un peu tardif. Hein. Ça va être un peu tardif. Ouais, mais c'est une bonne réponse de leur part. Tu vois, directement, ils spawn avant que les gros creeps arrivent. Ils mettent la pression pour nous empêcher de back. On back pas, du coup, on peut pas défendre ce Drake. Ça, c'est juste Graia qui était un petit peu loin, donc du coup Eka temporise un peu, mais sinon Eka fait ce qu'il faut. Et là voilà, une fois qu'il y a Graia, on est beaucoup plus libre parce que bah, la multi-menace est lancée. Parce que Graia il a des gros dégâts. Ah attends, le Drake, on est quand même en train de contester. Le Drake, en train de contester. Je pensais qu'ils avaient plus le one shot que ça. Caminus qui va tuer pas mal de chances avec Rel. Et puis voilà, c'est un enchaînement. Bah ouais, là ils sont dans la position. Ils sont dans la position que des fois on a en mode on est obligé de prendre ce fight même s'il y a trop de chances qu'il soit perdu. Ça pêche chez eux. C'est fini. C'est terminé. Ça sera une victoire, deux défaites. Pour trois équipes dans le groupe. Et donc tout sera joué lors de la deuxième journée. C'est parti d'un coup. Mesdames et messieurs. Les Road 2-0-3, tout ça, etc. Les gars, c'est pas fini. Changement de plan. Oula, changement de plan. Très mauvais calcul de la part des gentlemen d'en préférer se replier sur le dragon. Allez, confirmer ce push top. Il va falloir. En fait, il y a une tour qui est tombée, mais le temps d'y aller, le truc, c'est qu'il y avait trop de gens qui spawnaient. Tu vois, ils ont tout spawn. Là, on aurait été sous leur tour avec tout le monde qui spawn. Donc, reprendre le Drake, sécure le Drake pour être en seul point pour la mettre la pression. Ouais. Tu vois, 25 minutes de jeu. On est dans le moment où, bon, avec les 11 cagoles d'avant, on vient de gagner 10 minutes de plus. Tu vois, c'est toujours le truc de voilà, on a réussi notre plan. Donc là, c'est plus à 25 minutes qui nous rattrape, ça va être plus tard. Donc, tant mieux. Mais du coup, vous voyez bien que là, l'idée pour Gentleman, c'est de finir la game le plus tôt possible. Donc là, on va juste attendre le prochain teamfight. Si il n'y a pas fight, on attendra juste le Nashor pour qu'ils sortent de leur grotte. Mais normalement, on aura même l'occasion de les fight avant le Nashor et de finir très proprement. Il y a même à aller tout droit à 5 et c'est terminado. C'est pas ce qu'on fait à Gentleman. Mais Kaisa, ça t'est mis super loin avec son outil. Oh, la range, elle est quand même assez grosse. Tu as jamais joué en Aram? Mais tu sais qu'en Aram, mec, dès que t'as l'occasion, joue. C'est un pur kiff. Elle est énorme ça. C'est genre les 10 premières minutes d'Aram, tu kiffes pas trop. Et si dès que tu peux spam le Z, mec, c'est quel kiff ce champion. Si on est studio, on attend le Nashor. Sinon, on poke mid avec Kaisa et finito. Voilà, deux écoles s'offrent à nous. Pour l'instant, c'est l'école du push mid qui s'annonce. Mais on reste sur des ping Nashor, l'école studieuse. Les deux se valent, hein, là. Il y a tellement d'avance que c'est pas idiot d'aller tout droit et de finir. Ou alors all-in bot hein, en même temps, hein, ça revient quand même. Et en même temps, bah. Après, on prend toutes les ressources chez eux, hein, tu vois, ils ont un peu de vision. Ils ont un peu de vision côté topside, du côté des OAE. Le livre de LOL. Mais sinon, ils voient rien, là. Là, ils peuvent pas avancer dans leur jungle. Hein. Ils peuvent pas avancer dans leur jungle. On est en train de déwarder au fur et à mesure. On a toute la vision, bot side. En gros, en allant tout droit, topside. T'as un fight où t'as 85% de chance de le gagner. Et au Nashor, t'as 98% de chance de gagner parce que s'ils viennent, ils ont pas de vision, etc. etc. Donc, ils préfèrent jouer un 98% qu'un 85%, je les comprends. On va pas leur en vouloir pour ça. Alors pourquoi ça ping botside jungle? Ça c'est la question que je me pose. Et Harry, on a peut-être un peu soucié de ses dégâts. 24 000 de dégâts actuellement. Parce que certes, elle mettait des bons bisous. C'est le clutch de la compo. Hein. À 5-0-10. Hein. Là justement, on est en train de les attendre. Parce que là, du coup. Ça peut être criminel. Ouais, c'est pas la meilleure pose pour nous. La meilleure pose serait dans la jungle juste au-dessus. Juste au-dessus, voilà, pas sur la lane. Les forcer à splitter un peu, voilà, entre à peu près comme ça en fait. Avec Camus dans le bac, c'est pas mal. Ah, par contre, s'ils collapsent sur tous sur Camus, c'est pas mal, mais Eka est juste un peu trop loin. Et ils savent qu'on est là, ils pensaient potentiellement que. Y a quelqu'un dans là. On va rester au plan initial, les attirer en haut dans ce topside jungle. Eux push le mid pour juste nous forcer à revenir sur ce side. Ok, Minus qui va tenter potentiellement un flash in, ça va être maintenant. Oh bah oui, c'est pas là. On peut pas faire ce fight, c'est impossible. L'engage est juste parfait de la part de Camillus. Il a attendu ça patiemment, même s'il y a du répondant en face. Ils vont tomber sous les dégâts de Bao. Eka combine à ceux de Ragnar avec la tankiness et la sûreté de White.
Bao qui va aller finir ce Maokai et les gentlemen vont 5 poser facilement. Ils vont le chasser à 3. Avec le quadraki mérité pour AK. Pourquoi on fait pas Vi Harry tous les jours? Moi je le prends tous les jours. Peut-être qu'on le fait pas avec. C'est mon lol. Avec les 5 premières minutes qui sont pas très bien passées, peut-être que c'est sa note data actuelle, on sait pas. Mais après, par contre. Vi Harry, c'est mon lol. Non mais je suis en larmes là. Ouais moi, mais attendez, là, je fais ça en duo cul toute l'année, je fais ça en duo. Non, je suis en larmes, je suis en larmes. C'est trop tard. C'est ce qu'on faisait en duo cul. Trop tard. Non, tu jouais pas Vi, mais tu m'as forcé à prendre cette année Harry. Oh là là. Non mais Camillus, merci. Non, tout le monde, franchement, ça fait plaisir les gars, une petite win pour finir la journée clairement. Merci champion. Merci. Elle fait du bien celle-ci. Et elle partait pas si bien. Merci mes champions. Elle partait pas si bien les gars et je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. Clairement, ça snowball d'un coup, rouleau compresseur exactement. Et du coup, tout reste possible pour demain parce que là, du coup, les gars, on revient deuxième ex aequo. C'est bizarre de dire ça hein, après notre première victoire. Mais là, c'est actuellement ça, les gars. On est deuxième ex aequo avec deux autres équipes de la poule. Il y a l'équipe allemande, du coup, qui s'est envolée, qui elle est en 3-0. Sinon, on est trois équipes en 1-2. Et du coup, bah, tout sera à faire demain. Trois nouveaux matchs. On va devoir prendre notre revanche contre ces trois équipes. Et voilà, on aura notre destin. Au moins, avec cette victoire, on a vraiment notre destin entre les mains. Tout est à refaire, les amis. Tu en fous, t'as très souvent raison. Par rapport à quoi? Après là, je dis, facile à lire le jeu là. C'est des combos assez classiques. Hein. Ouais. Yari, Kaisa. Après, pour moi, j'ai envie de dire outdraft, tu vois. Parce que techniquement, si on joue bien nos 15-20 minutes, ils peuvent pas gagner. Cette game là, tu la joues 10 fois, tu la gagnes 9 fois, je pense. Renan, il m'a dit, vous les avez outdraft. Bah ouais. Ouais, ah, la draft, elle est bien. Hein. Mais pourquoi les deux games d'avant, c'est l'inverse, entre guillemets, même si je dis pas qu'ils nous outdraft, mais on se retrouve à espérer du scaling de s'ils ne fight pas pendant 10 minutes, s'ils oublient de cliquer pendant 10 minutes, on peut les battre, tu vois. Et on peut oublier de cliquer. Là, en vrai, cliquer, y a pas de problème, c'est nous qui dictons le jeu. Putain, c'est fou. T'as vu les fights comme c'est facile dans ce moment-là? Ah, moi, j'avais quand même une petite peur au début parce que justement, t'avais un peu ce côté, ce discours de faut vraiment être devant très très tôt dans la game, dès qu'on a nos level 6. Et il y a le premier tower dive qui s'est pas bien passé, Ragnar qui était en train de soulever son top laner, ça a remis Jax dedans, tu vois, en fait, on commence à se poser des questions, on était en mode le problème c'est que si on gagne pas l'early c'est dur, et au final il y a eu 1v1 de Bao pendant un Drake, pendant ce temps là Ragnar il était en train de niquer son vis-à-vis au top, et au final on a pu contester le Drake, et je sais pas, à partir de là toutes les cartes ont été rebalancées, on est repassé devant, et puis après ça snowball quoi. Est-ce que c'est Doug, ils ont gagné, du coup ils ont gagné des fights là qu'ils étaient pas censés gagner en début game. Normalement notre avance aurait dû être plus simple. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'ils les a fucked up en prenant un peu la confiance? Si, peut-être qu'ils ont voulu prendre trop de ressources d'un coup, puis ils se sont dit on est trop bien en fait. Donc en fait, Aphilo t'as pas besoin de venir, reste sur ta lane. Alors que normalement, putain, mais la chance qu'on a d'être à ce dragon là, Aphilo se vient vite, on le sécurise, on se barre, tu vois. Et là, peut-être le tas ils ont dit oh mais non, mais prends ta wave tranquille, on l'a. C'est peut-être le fait d'être devant qu'ils ont fait des. Ils ont commis des erreurs derrière, ouais. Ils se sont dit en fait on gagne les fights en fait. On gagne alors qu'on doit pas gagner. Bah parce que de base la wave de Kaisa elle était sous sa tour, donc en fait Aphilos pouvait aller au Drake. Non, c'est ça, ouais. Bien sûr, ce que je te dis. Donc ouais. Ils ont grill, ils ont voulu trop de trucs, pas perdre la. Et là c'est là où j'aime trop Bao, c'est pour ça que j'ai insisté sur le kill de Bao, parce qu'il est clutch, il est dans un truc où le gars sent une micro erreur, il te la fait payer mais instant. C'est de la data pure, c'est en mode pour lui, c'est une IA contre une IA. Et son IA, lui, elle va gagner 100% du temps dans ce cas-là. C'est du poker, frère. Il a son setup, il est carré, il est en mode ah, t'es pas allo Drake. Mais ce qui est choquant, c'est qu'il fait ça toutes les games, frère. Et peu importe le match-up, et peu importe le. Et il arrive toujours à trouver cette petite data, mec. Ouais, il est choquant. Je vais pas te mentir, il est choquant. Ah, fait plaisir quand même, c'est ordinaire. Cette win, les gars, fait quand même plaisir. C'est un bot. Merci, Elisa. Pourquoi il attend de rajouter dans le chat? Parce qu'on est des superstars, mon gars. On est des superstars, mon gars. C'est pour ça, mon gars. Faut t'habituer. Il y aura tout le temps des rageux dans le chat. Faut s'habituer, mon gars. T'inquiète. Grosse game des cas. Nous, on est très contents. On est très contents d'avoir gagné cette dernière game. Elle fait du bien. Et au moins, notre destin est entre nos mains pour demain, les gars. Fait du bien. God bless. Bao 2026, par pitié. Mais non, les gars, faut pas le bloquer. Lui, il faut. Faut qu'il vole de ses propres ailes, faut qu'il aille montrer les choses dans LEC, les gars. Il faut qu'il aille les voir dans sa vie. Non, mais les gars, c'est le jeu, je le bloquerai pas. Par contre, le jour est parti, c'est une vraie poignée de main. Une vraie poignée de main. Un vrai câlin. Un vrai câlin, et on le vendra bien à 1,5 million. Mais. Non, mais ça, c'est autre chose. Honnêtement, je trouve que parler de Bao et d'argent dans la même phrase, c'est une insulte pour lui. Ça regarde que les autres, c'est même pas son problème. Ce mec-là doit juste toucher les World
de ses mains. Le non, 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 en vrai, les gars, forcément, on n'est pas objectif. Il a encore plein de choses, il doit encore s'améliorer, etc. Mais c'est déjà, franchement, ce qu'il montre, c'est déjà incroyable. Mais même toute l'équipe, hein, mais c'est vrai que Bao, en fait, on savait pas trop à quoi s'attendre. Et c'est vrai que même quand les games durent, bah, je te laisse continuer parce que même quand les games sont compliqués, il n'y a limite pas d'espoir. Et lui, te fait toujours te dire, ah, attends, peut-être que en vrai, ouais, lui. Parce que lui, il n'est pas dans la même game que les autres, apparemment. Il est en 4-0, il a 6 flashs. Hop là ! Screen est maintenant, on est deuxième actuellement de notre pool, les rageux. Virtuellement qualifié, les gars. Let's go ! Ouais, ouais, ouais. Screen est, on est largement deuxième. Franchement, c'est fort. Hein. C'est fort, mais c'est vraiment qu'il a un mental exceptionnel et il a une compréhension du jeu de fou. Ah, attends, pause. J'ai pas vu un truc. Est-ce qu'il paraît GK, tu sais, ceux qui nous disent « Ouais, match facile ouais. ». Ils sont en 3-0 à ce qui paraît dans leur pool. Vous savez l'équipe où c'était ouais, free match-up non, ouais, quand on était en... 1-0, 1-0, 1-0, ouais. L'équipe qui était soi-disant free, ils sont trop nuls, machin, etc. Ils sont tombés dans quel pool facile pour être en 3-0 du coup. Les connaisseurs de fou depuis 15 ans, là. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ce que tu as dit, il y a toutes les coulisses. C'est-à-dire que eux, peut-être que les play-in... Qui est 3-0 ah, mais je pense c'est... Ah ouais, je pense parce qu'Hérétique, ça doit être vraiment nul de base, je pense. Mais peut-être que Geekel, les play-in, les ont fait travailler et remis en question sur des trucs trop bien, et là, ils font une diff, que sans ça, ils n'auraient pas réussi à le faire. Peut-être que les Sidars, trop bizarre, là, trop bizarre. Reposés, pas 3-0 alors qu'ils savent pas jouer au jeu, quoi, d'après certains. Donc les gens oublient juste qu'il se passe des semaines et des semaines en attendant. Tu vois, il y a ce qu'il y a sur le papier au tout début, et après, il y a tout ce qui se passe. Mais j'avoue, JK, 3-0, je l'aurais pas dit, moi, hier. Je te jure que je l'aurais pas dit, hein. Ah ouais, moi j'ai trouvé fort quand même. Et c'était fort, mais bon. Non, Geeky, si, bah, c'est les seuls qui nous ont battus pendant les play-in. Et quand on a perdu, la honte. Bref. Au niveau des autres, je suis en mode putain, c'est l'arc. Bah non, Geeky, c'était quand même ceux les plus solides des play-in qu'on a affrontés par contre. Même le match qu'on a gagné contre eux, ça se voyait qu'il y a quand même peu d'espace à trouver, etc. Et non, mais en tout cas, les gars, ça fait quand même plaisir. Une petite win, on aurait pu forcément avoir mieux hein, aujourd'hui, hein, clairement. On a fait des erreurs, c'était pas forcément notre meilleure journée, mais au moins on finit la journée sur une bonne note, et au moins toutes les cartes sont encore entre nos mains pour se qualifier pour la suite des EU Masters, tout simplement les gars, c'est match par match, jour par jour, et c'était une saison compliquée, et on fait vraiment notre maximum pour qu'on soit tous heureux, que ce soit vous, que ce soit nous, que ce soit les joueurs, que ce soit tout les gars, que ce soit l'ensemble, et voilà. Totalement, c'est bien dit ça mon CEO. Ah, et quand les prochains matchs demain 17h, et pour le coup normalement c'est vraiment 17h pétante, ça commencera pas avant parce que c'est le premier match de la journée. Donc normalement, demain, il y a personne qui est prêt en traite, parce que là il est 22h03, normalement il y en a certains qui ont reçu la notif maintenant qu'on est en match. Voilà, je vous le dis, force à vous ceux qui viennent d'arriver. Vlog, non je pense, tu sais quoi, au pire je le garde pour demain les gars. Mec, je le garde pour demain, je stream un peu avant, au pire on le regarde ensemble. Si t'es giga smart, tu remets tout de suite la rediff du match là. Tu la laisses couler une heure, c'est juste une heure de rediff. Ouais, de match. Mais je suis quand même quelqu'un de smart et je vais Ostenikov qui est avec nos pitchouns sur Fortnite, mon gars. Qui, je crois qu'il performe très bien en plus. Oui, en plus, je pense que ça se passe très bien pour eux. Donc, Non, tu sais quoi ? Demain après notre premier match, en espérant qu'on gagne le premier match. Pourquoi ? Parce que demain, je crois qu'on a 3 heures de pause. Donc, vous inquiétez pas, on aura 50 minutes à trouver pour regarder justement le vlog. Donc on fera ça demain. Et quoi, je vais même pas le spoil comme ça, je regarde avec vous. Non, c'est chaud là. Ah, ça commence à être chaud parce qu'au début ils ont commencé sur un top 1 tranquille, ils ont enchaîné sur un autre top 1. Aïe, bah en tout cas je vais suivre ça, je vais peut-être même rejoindre Nikoff en vocal. Mais en tout cas les gars, n'hésitez pas à envoyer des messages d'amour. Les gars, c'est la dernière ligne droite de la saison. Les pitchouns. Pas forcément les pitchouns aussi. Après là, ils taffent encore aujourd'hui, mais à nos joueurs League of Legends parce que demain ils ont une grosse journée les gars, n'hésitez pas à leur envoyer plein de force. Dernière ligne droite les gars. Là c'est le plus dur. C'est le plus dur, c'est notre Everest à nous. On devait pas y être, on a réussi à se qualifier, passer par les playoffs, les play-in. Là, on commence par une journée difficile et il reste encore 3 gros matchs. Puis après, il y aura encore, si jamais on arrive à le faire, à passer les groupes, il y aura encore un nouveau match qui deviendra le plus important de la saison. À chaque fois. Et... Ouais, après, c'est les playoffs. Ouais, après, c'est les playoffs, c'est des BO5. Vraiment, c'est... Et... Si on peut un peu... Oh non, vas-y, j'ai rien à dire. J'ai envie de savoir, en même temps, j'ai pas envie de savoir. Non, je dis, on peut un peu rêver, se projeter. Si on les gagne, c'est dingo, mais frère, on est tellement loin de les gagner. Pour l'instant, on est loin de les gagner, ouais, faut rester raisonnable, objectif. Une équipe qui a des play-in qui gagnent, c'est beau, tu vois. Bah, qu'assez l'on fait, ce qui... Ah non, non, pas des play-in. DRX. Ouais, DRX, ah, on fait les Worlds, c'est encore plus beau, c'est encore plus beau. Non, mais ça, c'est une anomalie, Non, ce que qu'assez a fait, les gars, c'était d'arriver en seed 3, et de gagner, de ce que certains nous avaient dit dans le chat tout à l'heure. Et bon, après, les gars, rivaliser avec le palmarès de qu'assez en LFL, c'est limite impossible. Clairement, ils ont fait quelque chose... Là, c'est incroyable, mais donc faut pas vraiment comparer. Ouais, mais en tout cas, on va faire aussi. De quoi ?
Juste, c'est plus les mêmes époques aussi. Il fallait le faire en son temps et ils l'ont fait divinement bien. Ouais, je vais quand même pas sous-estimer la performance qu'ils ont fait, même si c'était une époque différente. C'est quand même 4 participations, 4 victoires. C'est ouf. Hein. Ça reste quand même assez incroyable. C'est crazy. Ouais, quand même crazy, les gars. Donc, d'ailleurs, là, c'est la 5e participation. Est-ce qu'ils vont réussir à faire le back-to-back? Mais comment c'est back, ils étaient longs. Ouais, de fou. Non, mais voilà, les gars, même si je sais qu'il y a des. Il y a des haineux dans les deux communes, des fois, qui veulent le malheur de l'autre. Faut quand même respecter, tu vois, c'est l'e-sport, les gars, on partage les mêmes principes que le sport, et c'est une performance qu'il faut quand même respecter. En tout cas, pour parler de nous, pour le coup, les gars, on se retrouve demain, 3 matchs, début 17h, c'est 17h, 20h, 21h. Alors, 20h, 21h sera sûrement avant, donc prenez une demi-heure d'avance au moins, ce sera un peu comme aujourd'hui. Mais normalement, c'est 17h pétante pour le premier match, parce que ce sera le premier match de la journée. Donc normalement, ça devrait pas commencer en avance. Et puis, voili, voilou, les gars. Donc, je vais hoster Nikoff, suivre un peu la suite des Fortnite, peut-être même rejoindre Nikoff en vocal qui m'explique un peu où on en est. Et puis, bah, nous, on vous fait des bisous, les gars, et on vous dit à demain pour de nouvelles aventures, tout simplement. Des bisous, les gens. Tchuss. Putain, je m'étais pas mis en rose. Waouh. Allez, je me mets en rose à la fin, pour l'outro. Bisous, les gens. Tchuss. Bao. Bao.